Salut à tous et à toutes les potes. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Il y a de cela un jour simplement, j'ai cassé mon skate. Ça faisait à peu près 2-3 semaines que j'essayais de réaliser des tricks simplement avec le cruiser pour pouvoir vous faire des vidéos, parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont demandé. J'avais demandé à un pote skater, je lui ai demandé d'essayer de m'apprendre le 3-6 flip. Simplement le 3-6 flip. Une putain de figure, et je me suis dit je pourrais leur faire une vidéo sur ça, énervé quoi. Voilà, donc lui il arrive à le lancer avec mon cruiser. Il a quasiment réussi à le plaquer et broken. Voilà, donc il allait me montrer en fait, et tout simplement le skate s'est cassé. Oh. Tout simplement, voilà, ça m'est arrivé, ça s'est cassé, j'appelle ça putain de sa mère. Mais bon, tout ça pour dire, parce que pourquoi je fais cette vidéo, parce qu'il y en a beaucoup qui nous demandent de faire des figures, de montrer comment faire des tricks en cruiser ou quoi. Ça là, ça va bien vous montrer je pense qu'on peut pas en fait. Simplement les boards elles sont pas du tout faites pour en fait. Et j'ai compris ça trop tard. Parce qu'en fait, simplement, c'est... Enfin après ça c'est moi une globe bantam, donc peut-être que c'est la faute de ma board. En plus il faisait froid, du coup le plastique il était rigide. Et j'avoue que c'était en fait inévitable en y réfléchissant, parce que c'est du plastoc. Tu vas claquer une grosse figure, au final pour mettre tout ton poids sur un endroit de la board, obligatoirement avec le seau et tout ton poids qui lui tombe dessus, ça va casser. Donc voilà, ça montre à tous ceux, parce que je pense que le cruiser surtout fait quand même pour kiffer, faire de la vitesse, tout simplement des petites descentes tranquillou et tout ça. Et bah moi je vais m'acheter tout simplement un skate, enfin un globe blazer je pense, pour pouvoir tâter des petits tricks en toute sécurité sans que la board se casse. Donc voilà, juste un truc aussi, je sais pas, parce qu'on peut voir en fait que ça s'est cassé bizarrement en fait, on dirait que là en fait à l'intérieur, je sais pas si vous voyez à l'intérieur en fait, le trait il continuait pas. Ouais non, vas-y, ça perd un peu cette info. Mais en gros, peut-être que c'est genre l'endroit, le pire endroit pour tomber sur un skate pour le placer. En gros, peut-être j'ai vraiment pas eu de chat. Enfin bon, bref, je peux même pas en vouloir mon pote parce que c'est moi qui lui ai demandé de montrer. Et voilà, je pouvais pas non plus s'en apercevoir, même si moi, même moi je m'en suis pas aperçu, tu vois le délire. Et en plus, ce qui est marrant, moi bon, ça va pas sortir cette vidéo, mais en fait, j'étais en train de le filmer pendant qu'il a cassé ma porte. Donc j'ai la vidéo. Bon, là c'est bon. Voilà, tout simplement ma petite stories. Donc bah, j'ai quand même un autre cruiser. J'ai encore un autre cruiser, donc je pourrais quand même en faire, mais voilà quoi. Ça fout un peu le thème. Enfin bon, vas-y,